Nami Bessinan Zambé Mobimba Papolele Obimba Namote Mai Mobimba Solondetka Nami Bessinan Zambé Mobimba Obimba Namote Mai Mobimba Lulule Nami Bessina Yahweh Mobimba La la Mobimam Namote Mai Mobimba Lulule Nami Bessina Jésus Mobimba Lololo Mobimba Namote Mai Mobimba Papa Nami Bessina Yahweh Mobimba Mobimba Namote Mai Mobimba Eloko Nini Nakolinga Lesusue Bomoyi Nangai Yesu Christo Mokonde Simangai Na Ebondeli Motato Nangai Sebele Na Christo Ayo Lili Nami Besina Nzambe Bimba Papolele Mobimba Namote Mae Mobimba Lili Nami Besina Yahweh Mobimba Mobimba Namote Mae Mobimba Hariba Shindiri Baba Sakaramana yuku baba shindara baba. O Ramayaka baba yendere baba soto kundo. Glorianda kandara baba. Yendere baba baba. Mise en page. Shikiri baba daba, shikiri baba yakada baba. Yundu, je vais essayer de... Enlève ce... tout ça là, tu mets là. Je vais essayer de... ce coin là, de mettre un peu là. Voilà. Mais c'est trop bas ton truc, ta chaise. Merci. Je commence à la payer. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alors, je salue tous ceux qui sont connectés ce matin. Béni soit Dieu qui nous accorde ces instants ensemble. Amen. Nous le bénissons pour cette journée nouvelle. Il a renouvelé ses compassions et ses bontés envers nous dès le lever du jour et nous le bénissons pour cela. Amen. Père éternel, nous venons te bénir, nous venons te donner la louange qui te revient ce matin, Seigneur. Nous venons t'exprimer, Seigneur, mon Dieu, mon roi, combien nous sommes reconnaissants, Seigneur, de pouvoir déjà nous adresser à toi. Pour le souffle de vie que tu nous accordes, Seigneur. Et Seigneur, mon Dieu, conformément à ta parole, tu dis que tu renouvelles tes bontés et tes compassions, Seigneur, chaque matin envers nous. Alors que ton nom soit loué, que ton nom soit béni, Seigneur. Béni sois-tu pour chacun de nous, Seigneur, qui te dédie ces instants dans la prière,
et dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Père, béni sois-tu encore de nous accorder ces instants dans ta présence. Mieux vaut ce moment dans ta présence que mille ailleurs. Mieux vaut un jour, dit ta parole, dans tes parvis que mille ailleurs. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu d'unir nos cœurs, nos pensées, notre esprit, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, de nous connecter à toi encore ce matin, Seigneur. D'une même pensée, d'un même esprit, d'un même cœur, nous voulons vraiment être centrés, Seigneur, sur toi. Nous voulons vraiment, Seigneur, te donner toute la gloire. Alléluia. Et que le sang de Jésus-Christ puisse laver, purifier nos cœurs, notre conscience, notre entendement, Seigneur. Alléluia. Et nous donner un plein accès à tes lieux élevés, afin que tu répandes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta révélation sur nos cœurs ce matin. Que tu répandes, Seigneur, mon Dieu, mon roi, ta pensée, Seigneur, ta volonté parfaite, Seigneur, tes conseils, Père éternel Dieu. Nous te donnons toute la gloire encore pour tout ce que tu es et tout ce que tu vas faire durant ces instants, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom, Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons le nom. Alléluia. Adorons. Alléluia. Adorons le nom du Seigneur. Jésus. Jésus est le même. Oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur, élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms, élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Oh, Ramachina. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Alléluia. Le sang du salut. Alléluia. Alléluia, sang du salut. Invoquons le sang, de Jésus. Alléluia, le sang de Jésus. Alléluia, le sang du salut. Alléluia, le sang du salut. Alléluia. Implorons le sang, c'est vrai. Le sang de la victoire, le sang, oh, le sang, c'est vrai. Le sang de l'agneau, le sang du salut. Alléluia, le sang du salut. Alléluia. Seigneur, nous invoquons ton sang précieux. Oui, Seigneur, oui, on ne peut s'approcher de toi par nos œuvres. Oui. Mais par ton sang, oui, Seigneur. Nous péchons tous d'une manière ou d'une autre. Par pensée, par soupçon, par arrière-pensée, par colère, par convoitise, la convoitise des yeux. Certains même retournent dans leur passé. Certains ont le cœur partagé.
Le cœur partagé. Le cœur partagé dans le mariage. Ça, c'est un drame. Hein? On est marié avec un homme ou on est marié avec une femme et on se rappelle toujours de l'ex. Tu es marié avec Madame Y, mais dans ton cœur, tu penses toujours à Madame Z. Voyez, ça c'est une abomination devant Dieu, mais ce sont des choses des fois et qui sont secrets, secrètes et cachées au fond de nous, mais ce n'est pas caché devant le Saint-Esprit. Et ces choses-là sont désagréables à Dieu parce que Dieu n'accepte pas l'hypocrisie et la méchanceté. Seigneur, nous demandons pardon pour toutes ces choses qui détruisent nos vies. Et nous savons que si toi, tu interdis le péché, c'est parce que le péché est un poison. J'avais écrit un chant dessus. Le péché est un poison qui tue. Vous voyez, le péché est un gâteau sucré, mais empoisonné. Il est tellement sucré, il est tellement bon. Et quand tu te laisses au piège de ce qui est bon, bon à manger, bon à goûter, vous allez y prendre plaisir, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de vous tuer à petit feu. Faites votre double G, tu fais ton double G, tu mènes ta vie dans le mensonge, dans l'hypocrisie, mais tu es en train de creuser ta tombe. C'est comme Judas. Judas a joué son jeu jusqu'au bout. Et cela vient nous montrer ce que c'est que l'hypocrisie d'être humain. Judas chassait les démons avec Jésus, mais ça ne l'a pas aidé à changer. Judas a fait des visites, il a vu des résurrections de morts, mais cela ne l'a pas aidé à dire, mais ce Dieu-là est vrai, ce que je fais c'est mauvais, il faut que j'arrête. Non. Et sûrement Judas, c'est comme certains des chrétiens aujourd'hui, ils prennent Dieu pour leur copain. Sûrement Judas s'est fait une raison, et Dieu me comprend, Dieu me pardonne, et il a continué son style de vie hypocrite. C'est impressionnant. Le nom de Judas était écrit dans le livre de vie. Jésus a dit aux 12 disciples, « Ne vous réjouissez pas que le démon vous soit soumis. Réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le livre de vie. » Vous comprenez? Mais son nom a été effacé aussi. Donc, prenons pas Dieu pour notre copain. Donc, il faut vraiment, lorsqu'on vient de la présence de Dieu, qu'on ne vienne pas gaspiller notre temps. Qu'on puisse dire simplement, Seigneur, pardonne-moi. Et puis, demander pardon, c'est arrêter. Voyez, tu ne peux pas dire à Dieu, pardonne-moi, mais au fond de toi, et tu continues, tu ne renonces pas, voilà, tu renonces pas à quelque chose. Voyez, vous pouvez tomber 10 000 fois dans la cigarette, mais tant que vous renoncez du fond de votre cœur chaque jour, Dieu va vous aider. Mais il y a des gens qui demandent pardon formellement, mais au fond, ils ne renoncent pas. Ils ne renoncent pas au mensonge, ils ne renoncent pas à l'hypocrisie. Il ne renonce pas à sa maîtresse, il ne renonce pas à son amant, il ne renonce pas à sa haine, il ne renonce pas à l'idée de la vengeance, il ne renonce pas à l'ivrognerie, ils ne veulent pas renoncer tellement que c'est bon. Mais je peux vous dire, il n'y a pas de gens qui peuvent tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Tôt ou tard, on paye. Et surtout, et je parle à ceux qui me suivent là, tôt ou tard, vous voyez, lorsque Jézabel, dans Apocalypse, Jézabel séduisait les serviteurs de Dieu et les amenait à manger la viande sacrifiée aux idoles. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je t'en veux parce que tu laisses cette femme qui s'est dit prophétesse séduire mes serviteurs et les amener à manger la viande sacrifiée aux idoles. Et Jésus va dire, je lui donne un temps afin qu'il se répente. J'aime ça. Je lui donne un temps.
S'il ne se répond pas, alors là, je viendrai le juger. Oui. Et des fois, Dieu nous donne un temps. Dieu nous donne un temps afin qu'on puisse se repentir. Dieu nous donne un temps afin que va sur TikTok et tapote, parce que les gens ne tapotent pas là-bas. Et je peux leur dire plus de 1000 fois de tapoter ici. Ça aurait été des musulmans, croyez-moi, tout sera en train de tapoter. Les musulmans sont plus fervents que les chrétiens. Ils sont concentrés. Oui, oui, mais les musulmans, j'estime qu'ils sont plus zélés. Alléluia. Donc, c'est un peu ce qui nous arrive. Et craignons Dieu, soyons honnêtes avec Dieu. Vous voyez, Dieu a dit, il a donné à Jézabel le temps. Parfois, le problème qui se passe, Dieu nous donne le temps de se repentir, mais nous pensons que nous interprétons mal ce temps de la seconde chance ou de la dernière chance que Dieu nous donne. Parce que Dieu sait que si tu meurs là, tu vas en enfer. J'ai rencontré, je ne dirai pas le nom, hein, un chrétien qui m'a dit, il a rencontré la femme d'un pasteur. Il ne savait pas que c'était la femme d'un pasteur. Une soirée sans, rigolo. Et la jeune, cette femme métisse, aux yeux verts, je ne ferai pas de précisions, hein, je ne veux pas créer de problème. Et il a commencé à la courtiser. Et la dame cachait son bras. Elle est mariée, elle cachait son bras. Et là, il a continué, et la femme lui a dit non, ni oui, non, non. Il lui a dit ni oui, ni non. Et le frère me dit, mais Bishop, c'est pas normal. Et en fait, quand je voulais connaître à qui j'avais affaire, je suis allé sur Facebook. C'est là que je me suis rendu compte que c'était une femme mariée et la femme d'un pasteur. Et moi, je le faisais parce que je pensais qu'elle était libre. Oui. Je lui ai dit, mais c'est le compromis, ça. J'ai dit, mais oui. Et puis, il me dit, mais... j'ai failli mourir. Hein. J'ai dit, mais oui. La Bible est claire. Dieu a dit à Pharaon, je crois bien, tu es un homme mort. Parce que Sarah, c'est la femme d'un prophète. Tu es un homme mort. Tu touches à un homme, à la femme d'un homme de Dieu. Tu es condamné à mort. C'est biblique, hein? Alors, il m'a dit, tu dis, mais Dieu a dit à Pharaon, Pharaon a dit, mais Seigneur, tu sais que je n'étais pas au courant. Abraham a menti, il m'a dit que c'était sa sœur. Tu as dit, c'est la raison pour laquelle j'étais empêché de toucher. Il dit, mon frère, fais attention, ne joue pas avec ça. Il y a tellement de femmes libres sur terre. Il y a tellement de femmes libres sur terre, les unes plus belles que les autres, mais tu veux seulement t'obstiner sur là où il y a la mort. Il m'a dit, mais non, peut-être que entre eux, ça ne marche pas, c'est pas ton problème. Oh. Bon, le frère ne m'en veut pas parce que je n'ai pas cité les noms, je n'ai pas fait des précisions, mais je donne simplement un exemple pour montrer comment le diable veut nous séduire et nous amener à la mort. Vous voyez, dans Chronique, on dit, Satan était fâché contre Israël. Il a poussé David à faire les recensements. Et David a donné un ordre, comptez, faites les recensements. Et le général a dit à David, mais c'est interdit. Dieu a dit, on ne doit pas compter les enfants d'Israël. Parce qu'il avait dit à Abraham, on ne peut pas les compter. Mais David, inspiré, séduit par le diable, il a dit, faites les recensements. Vous voyez, des fois, le diable vient nous séduire pour nous amener à commettre l'irréparable. Il vient nous séduire pour nous amener à détruire nous-mêmes notre vie, à détruire notre paix, à détruire... Le diable vient nous séduire. Parce qu'il sait qu'il ne peut pas te détruire. Celui qui est en toi est plus fort que lui. Il ne peut pas te détruire. Celui qui est en toi est plus fort que lui. Il le sait très bien. Et la seule manière de vous détruire, c'est de vous séduire. De vous amener à faire le recensement, à commettre un péché. Parce que lorsque vous commettez un péché, Dieu vous abandonne.
Lorsque vous commettez un péché sans repentance, Dieu vous abandonne. Et c'est là que le sorcier a le pouvoir sur toi. C'est là que le sorcier peut faire ce qu'il veut avec toi. Comprenez? Lorsque vous commettez le péché, voilà pourquoi vous ne devez pas vivre dans le péché, vous devez rester fidèle. Tu peux prier pour que Dieu nous pardonne tous nos mauvaises actions, nos mauvais comportements, tout. Amen. Seigneur Père éternel, nous venons devant toi, Seigneur mon Dieu Père. Que tu puisses, Seigneur mon Dieu, renouveler en nous un esprit bien disposé, que tu crées en nous un cœur pur, Seigneur mon Dieu. Un cœur, Seigneur, dépouillé, Seigneur mon Dieu, mon roi, de tout ce qui ne te glorifie pas, de tout ce qui vient de la chair, de toute mauvaise influence, Seigneur mon Dieu. Alléluia, charnel, maléfique, que tu viennes nous accorder la délivrance même, Seigneur, au nom de Jésus. Seigneur, vraiment, nous réclamons ta miséricorde et ton pardon pour chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus, oh oui, nous purifie, Seigneur mon Dieu. Que tu puisses visiter nos cœurs, notre entendement, notre conscience, afin que nous puissions comprendre, Seigneur mon Dieu, mon roi, tes attentes, que nous puissions comprendre ta volonté, que nous puissions comprendre, Seigneur mon Dieu, ta parole. Alléluia. Ouvre nos yeux spirituels sur nous-mêmes aussi, Seigneur. Visite nos cœurs, Papa. Visite notre entendement, Seigneur. Visite-nous, ô Dieu d'amour. Ô visite-nous, cher Saint-Esprit, parce que qui mieux que toi peut nous convaincre en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, toi seul le peux, toi seul en es capable. Alors viens visiter nos cœurs, Saint-Esprit de Dieu. Viens visiter, viens visiter, viens agir en nous et glorifie Jésus dans la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Voilà, le verset se trouve dans 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. 1 Chronique, chapitre 21, verset 1. Je vais lire pour vous. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et au chef du peuple, « Allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache combien il s'élève. » Joab répondit, « Que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux, ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab, et Joab partit, parcourut tout Israël, il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y en avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 du peuple. Amen. Donc, il a fait les dénombrements. Et nous voyons après, la colère de l'Éternel s'est manifestée. Vous voyez. Donc, ce que j'aimerais retenir, c'est le verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Il excite les gens du diable. Il va t'exciter à taper ta femme, à tromper ta femme, à voler l'argent de l'église, à détourner l'argent du foyer. Il va t'exciter à sortir avec la maîtresse, ton collègue au travail, il va t'exciter, c'est le diable. Et toi, tu es là, tu as l'idée, tu es obstiné par l'idée d'une personne, ça ne sort plus de ta tête. Et parfois, il t'excite comme ça, et des fois, cela devient démoniaque. Donc, ça veut dire que la personne n'a même pas charmé. Mais c'est le diable qui t'excite parce qu'il veut détruire ton ministère. Parce qu'il veut détruire, tu vois, comment le diable avait excité la femme de Potiphar.
Tu rencontres être la femme d'un monsieur comme Potiphar, l'intendant de Pharaon, avec tout le rang social, avec toute la gloire qu'il y avait. Mais cette femme-là était devenue tellement folle qu'elle est devenue obstinée par un esclave comme Joseph. Ça, c'est le diable qui l'excite. Le diable l'avait excité comme ça pour détruire Joseph. Parce que le diable était convaincu que d'abord, Joseph n'avait pas droit de dire non, parce qu'il était esclave. Il était esclave, il devait obéir. Mais Joseph était tellement intègre et loyal, il a dit non. Ton maître me donne tous les avantages, ton maître me fait confiance, mon maître, ton mari, me traite, il m'a mis chef dans sa maison, je ne vais pas le trahir, non. Voyez. Mais cette femme ne comprenait rien, excitée par le diable. Faites attention aux choses qui vous excitent. Faites attention. Je sais de quoi je vous parle. L'enseignement que je vous donne est prophétique. Faites attention. Hein? Faites attention. Ne vous laissez pas exciter par le diable. Parce que quand Satan vient vous tenter, il voit que vous aimez le Seigneur et que vous ne cédez pas. Il va commencer à exciter les gens. Exciter les gens. Il va exciter ton patron. Il va exciter ton patron. Tu travailles dans une entreprise et le patron tombe amoureux de toi. Alors que le patron a une femme plus belle que toi. Mais non, il est excité par le diable. Ça devient comme une obstination. Est-ce que tu vas céder ou pas? Mais Joseph n'a pas cédé. Joseph a dit, pas question. On l'a mis en prison. Il a vécu une injustice. On l'a rabaissé. On l'a rabaissé et Dieu n'a rien dit. Vous savez, des fois, Dieu ne dit rien. Des fois, Dieu va dire, mais où est Dieu? Mettez-vous à la place de Joseph. Hein? Il est intègre, il est droit, il aime les seigneurs. Mais comme on dit en général, il n'a pas de chance. Il est trop beau pour Madame Potiphar. Je ne pense même pas qu'il était beau, parce qu'il n'était pas aussi beau que ça, parce que, il y en avait. Mais non, mais le diable excitait Madame Potiphar. Oui. Le diable peut exciter ton voisin qui te cherche des problèmes. Tu ne sais pas. Le diable peut exciter ton collègue. Il te cherche des problèmes. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est comme une soeur qui m'a dit, mais Bishop Eli, je n'ai pas d'argent, mais pourquoi des gens m'en veulent? Mais ils sont excités. Comprenez qu'il y a des gens qui sont excités par le diable. Quand le diable voit que vous ne cédez pas à ses avances, que vous craignez Dieu, il va commencer à exciter. Il peut même exciter le pasteur adjoint pour créer une rébellion. Il peut même exciter ton collègue pour te trahir. Le diable excite les gens. Mais sache que ce que Dieu a prévu pour toi Amen. s'accomplira. Amen. Merci, Seigneur. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira. Tu le veuilles ou pas, la parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Ça prendra le temps que ça prendra. La parole de Dieu s'accomplira. Tout doux, doux, ça prendra le temps que ça prendra. Tout doux, la parole de Dieu s'accomplira. Ça prendra le temps que ça prendra. Mon ami, la parole de Dieu s'accomplira. Tout doux, doux, ça prendra le temps que ça prendra. Tout, la parole de Dieu s'accomplira. Amen. Alléluia. Tu peux dire un mot? Même Allez, ma là, chérie. il nous faut ici de. Il faut dire un peu, parler un peu fort, hein? Parce que comment je parle, c'est un auteur, alors faut forcer un peu. Sinon, ils ne s'entendraient pas. Oui, je veux nous encourager à persévérer. C'est vrai que parfois, quand tu abordes certains sujets, on peut avoir l'impression de peut-être perdre pied hein, dans ce monde où il y a tant de combats, tant de luttes.
On peut avoir cette impression qu'on ne va pas y arriver, mais c'est seulement si nous gardons confiance dans le Seigneur et justement, suivons ses enseignements, prions sur ses enseignements, que le Seigneur nous aide. Lui, il a dit qu'avec lui, nous ferons des exploits. C'est lui qui terrasse l'ennemi, c'est lui qui écrase l'ennemi. Il est là aussi dans Ésaïe 40 où il nous dit il est l'Éternel qui vient nous secourir, qui nous fortifie de sa droite triomphante. Il est capable de nous délivrer de la détresse, il est capable de renouveler nos forces. S'il est capable de renouveler nos forces, il peut aussi donc renouveler aussi notre courage. Il est capable aussi de nous ouvrir les yeux sur les choses que nous n'avons pas comprises ou que nous ne voyons pas comme lui. Amen. Il est capable de le faire. Il est capable de nous sortir du danger. Alléluia. Il est capable de disposer nos cœurs à le craindre aussi. Il est capable. Amen. Voilà, j'aimerais vous dire... les moments clés de la vie d'un homme. Vous voyez, les moments clés de la vie du ministère de Jésus, c'est lorsqu'il a dit « Arrière de moi, Satan mm-hmm. ». Ce n'est pas lorsqu'il a marché sur les eaux. Ce n'est pas lorsqu'il a multiplié les pains. Ce n'est pas lorsqu'il a dit « Lazare, sort ». Les moments clés dans le ministère terrestre de Jésus, c'est lorsqu'il a résisté et il a vaincu Satan, il a vaincu le péché. Il a dit « Arrière de moi, Satan ». Là, lorsque Satan est venu lui proposer de transformer les pierres en pain pour satisfaire ses convoitises, il a dit non. Lorsque Satan l'a élevé, Satan même l'a transporté, on dit « Satan les transporta ». Il a dit au sommet de la montagne, saute de là. Et il ordonnera, il est écrit que Dieu va ordonner à ses anges de te porter sur leurs mains. Jésus a dit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alors là, Satan l'a transporté au sommet du temple. Et nous aimons ça, nous les serviteurs. Hein? Je vois tout le monde devient bishop, tout le monde devient apôtre. Vous avez, pasteur, vous avez quoi comme problème? Je vous dis devant Dieu, je n'ai pas envie qu'on m'appelle bishop maintenant. Parce que je pense que les gens aiment trop la vanité, les titres, que j'ai envie qu'on m'appelle frère. Je me ferai faire appeler frère. Peut-être que ça va. J'ai envie de faire ça pour montrer aux gens que les titres, le titre, c'est rien. Mais nous aimons tellement les titres. Tous les pasteurs deviennent des bishops et des mm-hmm. apôtres. Tout le monde devient apôtre. Et puis, tu leur demandes qui vous a établi apôtre. C'est eux-mêmes. Ah, j'ai créé une église. Aujourd'hui, il y a des pasteurs même, il a une église et il crée un deuxième annexe exprès pour qu'il soit appelé apôtre. Ah, j'ai des églises, j'ai trois églises. On vous a dit que tout pasteur qui a trois églises ou quatre églises est apôtre. C'est écrit où? Alors, nous aimons trop les titres. Mais Jésus a dit non. Jésus a refusé les titres. Et Satan est venu lui donner, lui proposer la gloire. Oui, le buzz. Nous aimons le buzz aujourd'hui. Dans les réseaux sociaux, mm-hmm. les gens aiment le buzz. Les gens aiment le succès. Les gens aiment être connus. Oh, Seigneur, fais-nous grâce. Ne cherchez pas la gloire. Ne cherchez pas la gloire. Alléluia. Cherchez à plaire à Dieu. Alléluia. Cherchez à ressembler à Jésus. Toutes des vanités, mes amis. Voyez, les moments clés dans le ministère de Jésus, c'est là. Dans le ministère de Joseph, le moment clé, c'est lorsqu'il a dit à Madame Potiphar, pas question, je ne pêche pas. Oui, je ne pense pas que si Joseph avait cédé, qu'il aurait vécu tout ce qu'il a vécu. Joseph n'a pas cédé au péché parce qu'il savait que Dieu va l'amener loin. Les gens qui ont une vision claire et qui savent où ils vont, ce sont des gens que Dieu amène loin. Joseph avait la révélation, il savait qu'il serait prince.
il serait au-dessus de M. Potiphar. Donc, il n'avait pas besoin de devenir l'amant de Mme Potiphar pour avoir une quelconque faveur. Parce qu'il savait qu'il était au-dessus et que quand son temps viendra, il aura la femme qu'il voudra. Vous comprenez? Voyez, le moment dramatique, clé mais dramatique, c'est Ésaü lorsqu'il a vendu son droit d'aînesse à cause de lentilles. Ésaü avait faim et Joseph l'a proposé, Jacob lui a proposé des lentilles. Joseph a juré à mépriser les droits d'aînesse. C'est le moment clé de sa vie. Il a tout perdu. Et la Bible dit que Joseph a recherché cette bénédiction en pleurant, mais ne l'a pas obtenue, parce que Dieu est juste. Amen. Ne vendez pas votre droit d'aînesse, votre ministère, mmh, ou l'onction, ou la grâce que Dieu vous a donnée pour les choses vaniteuses. Vanité des vanités, tout est vanité sous le soleil. La gloire de ce monde passera, les plaisirs de ce monde passeront, mais la parole de Dieu demeure éternelle. Que le Saint-Esprit nous aide. On va dire, Saint-Esprit, je t'aime. Saint-Esprit, brûle en moi tout ce qui n'est pas à ta gloire. Ce qui se passe en moi, personne ne le voit. Même ma femme ne le voit pas. Tous les combats cachés dans mon corps, dans mon cœur, la colère, les soupçons, mauvaises pensées, les convoitises. Toi, Seigneur, tu le vois. Alors voilà pourquoi je t'ai dit, brûle en moi tout ce qui n'est pas ta gloire. Brûle en moi toute ambition qui n'est pas digne de toi. Toute ambition, tout esprit de rivalité, tout esprit de compétition, oh Saint-Esprit, brûle. Brûle, Esprit de Dieu, tout ce qui n'est pas à ta gloire. Épure-moi comme l'or. Épure-moi, Esprit de Dieu. Kerabariba sotoro baba. Shindere kandara baba. Yaba baba, yanda kaba yindirebe, sandara baba. Vous voyez, c'est important. Quelqu'un qui prie comme ça, c'est quelqu'un qui cherche à plaire à Dieu. C'est comme une femme qui cherche à plaire à son mari. On cherche à plaire à Dieu. On ne cherche pas à se plaire soi-même. Seigneur, je ne demande pas le succès en premier. Je ne demande pas la prospérité en premier, bien que c'est important. Je ne demande pas la gloire en premier. Ce que je demande, Seigneur, c'est ta présence. Que je manque jamais de ta présence. Ce que je demande, Seigneur, que ton royaume soit en moi. Que la crainte de l'Éternel puisse demeurer en moi. Fais de moi un homme qui te craint. Tu peux dire cela. Dis, Seigneur, fais de moi un homme qui te craint. Fais de moi une femme qui te craint. Arriba Shindiri. Seigneur Dieu, fais de moi un homme qui te craint. Fais de moi une femme qui te craint. Une femme qui t'aime plus que tout. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses vous seront données en plus. Alléluia. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia.
Cherchez d'abord royaume des cieux et sa justice. Pam, 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 et toutes les choses vous seront données plus. Alléluia, alléluia. Cherchez, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pa, 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 pam, 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 pam. Bon, 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 bon. Il sortira bon, bon, de la bouche du Dieu. Alléluia. Bon, alléluia. Amen. Ô éternel, tout nous dit, ma force, ma forteresse. Je t'aime, ô éternel, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, tu es mon bouclier. Loué soit l'éternel, et je suis délivré. Loué soit l'éternel, de tous mes ennemis. Todo, je t'aime, ô éternel, je t'aime, ô éternel, je t'aime, ô éternel. Bon, on va chanter un chant en swahili que j'ai appris ma femme à chanter. En swahili, je crois que ça fera plaisir aux Congolais de voir que on chante en swahili, c'est une Guadeloupéenne. Takushukuru namunanganiwe yo. Takushukuru namunanganiwe. Takushukuru namunanganiwe yo yo. Takushukuru namunangani Bongo wani weye Baba namunangani weyo yo Owe owe namunangani we Baba wangu weye Baba namunangani weyo yo Oi mwayo Owe owe namunangani we Takulilia namunangani we yo yo mani wan Takulilia namunangani we Takulilia namunangani we Mungu wangu weye Takulilia namunangani Mungu wangu weye Baba namunangani we yo yo Mani wani, owe, owe, namunangani. Baba wangu weye, baba namunangani weye, oyo. Owe, owe, namunangani. Mungu wangu weye, baba. Ayama kama yama. Ayala basa yala baba yala kaba inda baba shika. Ayama kama yente bebe kama yente ba yende basa ya. Ori baba, je peux prier? Oh Seigneur, nous venons vers toi vraiment t'élever. Nous venons vers toi, Seigneur, te donner, Seigneur, toute la gloire, Seigneur. C'est à toi que nous choisissons de regarder en ce matin, Seigneur. Alléluia. Mwe yamba kayela, kayela pliyo ki mwe. Alleluia. Mwe yamba kayela, aidile ya mwe. Mwe yamba kayela, kayela se jezi. Mwe yamba kayela, awe. Mwe yamba kayela, awe, kayela pliyo ki mwe.
Alléluia. Mwayamba kaela. Aïti l'ennemi à moi. Mwayamba kaela. Kaela Saint Jésus. Mwayamba kaela. Mwen vi mwen la kai. Mwen vi mwen la kai. Mwen vi mwen la kai. A wola le mwen mon. Fè la pè a wola. Fè la joie. Mwen vi mwen la kai. A wola le mwen mon. Amen. Oui. Alléluia. Béni sois-tu pour ta fidélité. Seigneur mon Dieu, nous voulons encore, Seigneur, regarder à ta bonté, regarder, Seigneur mon Dieu, roi, à ton amour, regarder, Seigneur Père, à ta grandeur ce matin, Seigneur. Alléluia. Que tu puisses encore élargir, Seigneur, toute limite en nous, toute limitation. Au nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu viennes visiter nos cœurs, viens soutenir la foi de tous ceux qui sont en défaillance, Seigneur, de tous ceux qui sont troublés, de tous ceux qui sont, Seigneur, mon Dieu, mon roi, comme cette sœur, Seigneur, et d'autres, qui combattent la peur, qui combattent les angoisses, les soucis du siècle présent, Seigneur. Viens renouveler ta paix dans les cœurs, Seigneur. Viens renouveler, Seigneur, ta joie dans les cœurs, Père. Alléluia, toi l'amour parfait, toi le Dieu guérisseur, toi le grand libérateur, toi le grand je suis. Seigneur, nous t'appelons ce jour, nous t'invoquons Dieu d'éternité, Dieu fidèle, Dieu vivant. Il faut que celui qui s'approche de toi croit que tu es Dieu, que tu existes et que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, Seigneur. Tu te laisses trouver par ceux qui te cherchent et qui le font de tout leur cœur. Tu te laisses trouver par ceux qui t'appellent de tout leur cœur. Tu te laisses trouver par ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, Seigneur. Alléluia. Oh, béni sois-tu, Papa. Béni sois-tu pour ton amour. Béni sois-tu pour ta fidélité. On a les gens là, et les chiens qui en ont marre. Et vous savez, je vais donner un témoignage, quelque chose que j'ai. On a un chien qu'on aime beaucoup et il ne se prend plus pour un chien, il se prend pour un enfant. Ah oui. Il se prend pour un enfant et il est devenu capricieux. Maintenant, il a un an. Mais vous voyez, il est devenu tellement capricieux. Et maintenant, moi, quand je viens, je le gâte. Je lui donne des jambons, je lui donne des fromages, je l'achète la viande crue, j'aime le gâter. Et chaque fois que je viens, il ne mange plus normalement. Il ne mange plus des croquettes. Il mange les autres fois, quoi. Moi, c'est réglé. Voilà, ça commence à coûter cher. Alors, quand je suis parti, j'ai appris qu'il mangeait les croquettes. Il a repris les croquettes. J'ai dit, bon, j'ai compris le système. Il faut que je ne lui donne ni biscuits, rien du tout. Qu'il s'habitue à ses croquettes. Mais il est devenu invivable. Et parce que quand il vient, il monte sur moi. C'est un staff, hein? Il est assez gros. Quand il vient, il monte sur moi et je le prends dans mes bras, je le serre. Et enfin, je lui donnais des mauvaises habitudes. Hein? Mauvaises habitudes. Quand on est au salon, il vient, il doit monter sur moi, il doit monter sur Jennifer. C'est devenu invivable, quoi. Je dis, bon, le chien, il faut le mettre dehors. Et lui, quand il est dehors, il veut rentrer. Mais à un moment donné, il ne m'obéit même plus. J'ai dit, Élie, il faut t'imposer. C'est maintenant ou jamais. J'ai pris ma laisse, voilà la laisse, là, la ceinture là. J'ai dit, je vais t'apprendre à obéir. Et hier soir, j'ai léché côté. Hein. Il montait sur moi, chicote. Il descend, il monte sur moi, chicote. Il monte sur Jennifer, chicote. Au bout de 45 minutes, il a vite compris. Hein. Quand je dis, hey! Il s'assoit. Maintenant, il a appris à s'asseoir. Et hier, on a été avec lui au salon. Il s'est assis. Il ne nous a pas embêtés. Il n'a pas monté sur nous. Ce matin, on est descendu. Et pareil, mais je constatais quelque chose. Comme c'est moi qui l'avais chicoté, il ne vient plus beaucoup vers moi. Il va vers... il va maintenant vers Jennifer. Alors que... Avant, c'était moi. C'est-à-dire qu'il ignorait Jennifer. Il dormait même ici. Il s'en foutait de Jennifer. C'était moi. Et mais, pas là, oui. Je suis là. Mais maintenant, je constate maintenant que même si on m'a déjà pas vu, il va vers toi. Il me cherche plus. Alors, je me suis dit, mais il ne m'aimait plus ou quoi? Mais je me suis dit,
pour son bien et j'accepte qu'il me déteste. C'est ça le vrai amour. Je me suis dit, pour son bien, j'accepte de le perdre pourvu qu'il soit bien. Vous voyez ? Et je ne vais pas changer. Je veux les dresser pour que demain, ils soient vivables. Vous voyez ? Mais je sais que les conséquences, il sera moins attaché à moi, mais tant pis, parce que je cherche l'intérêt du chien. C'est ça le vrai amour. Quand vous aimez vraiment quelqu'un, vous lui direz toujours la vérité. Même s'il faut qu'il devienne un jour votre ennemi, vous lui direz toujours la vérité. Parce que vous cherchez son bien-être. Quand vous aimez un enfant, vous allez l'éduquer pour lui. Vous savez, il y a des parents qui aiment mal leurs enfants. Ils aiment, il y a toutes les mamans. Vous aimez l'enfant, vous voulez que l'enfant puisse vous aimer. Et vous tolérez n'importe quoi, vous laissez l'enfant jouer à n'importe quelle heure, vous laissez même l'enfant quitter l'école. Moi, ma mère m'aimait très mal. Ma mère cédait à tous mes caprices. Quand je ne voulais pas aller à l'école, elle était d'accord. Tout ce que je voulais, elle me cédait. Et quand je ne veux pas aller à l'école, mais bon, je restais sous la gifle de maman. Et puis, tout le monde allait à l'école. Et en fin de compte, le résultat, j'étais un grand gaillard zéro. J'étais toujours le dernier ou l'avant-dernier de la classe. Et quand j'étais l'avant-dernier, je me disais, mais que celui qui est derrière moi est tellement bête, comment il a fait pour... Jusqu'à ce que Jésus soit rentré dans ma vie et il a fait de moi un génie. Les gens qui étudient, vous êtes étudiant, croyez-moi, je l'ai vécu. Dieu peut faire de vous un génie. Amen. Daniel avait une intelligence 10 fois au-dessus des sages. Amen. Je vous dis, mes enfants de l'école, vous savez, les enfants, mes collègues de l'école, tu verras pas quand tu le connais. Hein. Il connaît un de mes camarades de mon école à Paris. Il peut vous témoigner, il me prenait pour un génie. Il y avait des exercices même de mathématiques ou de physique que personne n'a jamais pu résoudre, des polytechniques, que c'est moi qui les résolvais. Même mon professeur, je l'ai dépassé. On m'avait surnommé docteur Lissiki, docteur en mathématiques. Oui, mon professeur était un grand mathématicien. Il dit, mais Dieu fera de vous la tête. Dieu fera de vous la tête. Le Seigneur vous fera réussir. Vous êtes de la plomberie, il fera de vous le meilleur plombier. Vous êtes dans la maçonnerie, il fera de vous le meilleur maçon. Vous êtes dans les affaires, il fera de vous le meilleur homme d'affaires. Vous êtes une épouse, il fera de vous la plus gentille, la plus douce épouse, vous voyez. Une épouse qui sait masser son mari quand il le faut et qui sait le pincer un peu aussi l'oreille quand il le faut. Amen. Dieu va faire de vous quelqu'un d'excellent. Vous allez exceller dans votre domaine. C'est ça l'évangile que je vous prêche. Je ne vous parle pas que du Saint-Esprit qui est là pour chasser les démons. Je ne vous parle pas que du Saint-Esprit qui est là pour chasser les démons ou pour montrer les sorciers. Je répète, hein, malheureusement, l'évangile à l'africaine est devenu un peu trop barbatif, un peu trop... Comment on dit ça? L'évangile à l'africaine, on parle tout le temps des sorciers. Mais on parle tout le temps, je vous dis la vérité, le pasteur parle tout le temps des sorciers, des démons, des soukounias. Le Saint-Esprit n'est pas là que pour ça. Amen. Le Saint-Esprit est là pour nous amener à l'excellence dans notre vie, dans notre travail, dans tous les domaines. Oh, Maraba, Shindoro, Kama, Indara, Saint-Esprit, remplis-nous. Et ce dimanche, je pressais un message sur le fils prodigue. Oui. Et moi, je l'ai intitulé « Les chrétiens prodigues ». Parce que lorsque souvent on parle du fils prodigue, en général, on pense au rétrograde ou au païen. On dit que celui qui est... En général, le pasteur dit celui qui est prodigue, celui qui a quitté l'église. Or, on peut être dans une église et être prodigue. Oui. Moi, je dis le fils prodigue, ce n'est pas celui qui a quitté l'église, mais celui qui a quitté la parole. C'est ça. Nous avons beaucoup de chrétiens qui sont dans l'église, mais qui ont déjà quitté la parole, qui ne vivent pas dans la parole. Nous avons même beaucoup de pasteurs même qui nous prêchent, mais qui ne vivent pas dans la parole. Moi, il y a mon petit pasteur Rudy. Voilà un pasteur que j'aime.
je dis la vérité, ça fait des années, ah, oui, je formais des pasteurs, je connais des pasteurs, mais ce jeune homme-là m'impressionne parce que voilà un homme, je l'ai dit, hein, j'aime bien parler du bien des gens, le pasteur Rudy Faustin, voilà un homme selon le cœur de Dieu. Je sens l'amour de Dieu pour lui, je sens la paix de Dieu quand je le vois, ce garçon-là. Il y a quelque chose de différent en lui. Il ne cherche pas la foule. Il ne court pas derrière le succès. Il m'a dit, pasteur, j'ai soif. Je cherche la présence de Dieu. Je l'ai toujours connu comme ça. Oui, mais jeune, non. Il était même jeune. Ah, jeune, oui, oui. Oui, mais c'est... Je dis bien parce qu'on aime trop dire le mal. Hein. Et quand il y a du bien, il faut le dire. Ces 20 dernières années, parmi tous les jeunes que je connais comme serviteurs, même pas les jeunes, même les serviteurs que je connais, mais ce jeune pasteur, je trouve quelque chose de lui que je ne trouve pas dans les autres. Il y a aussi le pasteur Stéphane de la Martinique, hein, oui, qui a un bon fond. Qui a un bon fond. Bon, je ne sais pas comment il évolue, mais je le connais, c'est quelqu'un qui a un bon cœur, oui. Le pasteur Stéphane, c'est quelqu'un qui ne te fera jamais du mal. S'il fait quelque chose qui te blesse, c'est parce qu'il n'en est pas conscient. Mais ce n'est pas quelqu'un qui fera consciemment du mal à quelqu'un pour lui nuire, tu vois. Et ça, je suis sûr de lui. Oui, c'est ce qu'il y a là qui doit changer. Et le fils prodigue, voyez, le fils prodigue, aimait plus son héritage que son père. On a vu ça hier, hein, dans Luc chapitre 15, verset 11. Il a demandé à son père son héritage et dès qu'il a eu son héritage, il est parti. Dès qu'il a eu son héritage, il est parti, il a quitté la maison de son père. Il a abandonné son père, on dit, il est allé dans un pays lointain. Oui, et nous avons beaucoup de chrétiens qui aiment plus la bénédiction que Dieu. Mm-hmm. Quand ils sont bénis, ils disparaissent de l'église. Il y en a qui aiment le mariage plus que Dieu. Mais Dieu ne cherche pas des mendiants. Dieu cherche des adorateurs. Dieu ne cherche pas des mendiants qui sont là pour mendier la guérison, qui sont là pour mendier la délivrance, qui sont là pour mendier de l'argent, non. Mais Dieu cherche les gens qui aime sa présence, comme David qui dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Il n'y a qu'un adorateur qui puisse parler comme ça. Je demande une chose à l'Éternel que je désire ardemment, habiter toute ma vie dans les parvis de l'Éternel pour contempler sa gloire et sa magnificence. Hashimakamayema. Tu peux dire un mot? Les chrétiens prodigues aujourd'hui, il y en a plein dans nos églises. Les chrétiens prodigues. Beaucoup. Nous sommes là, ils parlent la langue. Ils parlent la langue, ils chassent les démons, ils prophétisent. Mais Jésus-Christ leur dira à la fin, je ne vous ai jamais connu, les chrétiens prodigues. Vous connaissez toutes les cantiques, pasteur prodigue. Tu sais bien prêcher, tu as du succès. Hein? Tu as beaucoup de vues, tu fais du buzz. Hein? Et tu as 1 million d'abonnés, mais je ne t'ai jamais connu. Jésus n'avait que 12 abonnés. Jésus n'avait que 12 abonnés. Ashamaya Makama. Oh Seigneur, fais de nous des vrais adorateurs. Seigneur, fais de moi un vrai adorateur. Ayamasaya. Shebabababa. Sheba ba 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 ba. Sheba ba 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 ba. Sheba ba 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 ba. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur. Le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur,
Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Vraiment. Bien, je veux. Tu parlais de chrétien prodigue. Je pense surtout à comment. Chrétien qui veut couronner bon Dieu. Oui, comment la tiédeur peut affecter aussi nos cœurs, le refroidissement. Mmh. Le cœur se trouve éloigné de la vérité, éloigné de la recherche de la sanctification, éloigné de tout ce qui fait même la force même de l'évangile, ah. La pensée même de Dieu pour nos vies en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétiens. Et c'est là que, effectivement, c'est un véritable danger. Mmh. C'est un véritable danger spirituellement. Et nous devons prier, nous devons persévérer dans la prière et faire toujours cet examen de conscience. Dans la prière, dans le jeûne, faire cet examen de conscience pour voir où nous en sommes avec Dieu. C'est tous les jours. Parfois, on peut se rendre compte qu'on mène la vie, mais avec routine. Avec routine. Avec routine, et c'est ça qui est... La routine est dangereuse. Hein. Dangereuse. Routine ou activisme. C'est ça. C'est mmh. ça. C'est ça. Et ces deux choses-là sont à combattre. Mmh. Et moi, j'ai vu ces choses-là s'approcher, et quand on est vraiment dans... qu'on a goûté aux délices du Seigneur, on sent que ça dérange. On se sent dérangé. Je me rappelle que j'étais jeune et c'était première année post-bac. J'avais pas réussi ma première année par manque de discipline en fait. Mais au lieu de véritablement faire le vrai bilan au début, j'ai commencé à me plaindre envers Dieu en fait. Il y a Brava Vital qui veut monter. Mm. On le fait monter, on va l'écouter parce qu'il insiste beaucoup. On prend les risques. Oui, oui. Brava Vital, on va te faire monter. Je laisse ma femme terminer, tu vas monter. Parce qu'elle elle a beaucoup insisté, quoi. Hein? Ah, d'accord. Vas-y. Oui. Alléluia. Et je me rappelle qu'après, c'est devenu, des années après, un témoignage, un encouragement pour les jeunes de faire attention par rapport à son cœur. Des fois, on accuse, on cherche un accusateur alors que c'est soi-même. C'était une même période aussi où j'étais commencé à vivre à la déception par rapport justement au comportement de certains chrétiens. Mmh. Mais j'ai commencé, en fait, le Seigneur commençait à m'apprendre à entrer dans une autre dimension. Parce que vous savez, quand le Seigneur met en nous la joie de son salut, lorsqu'on se donne à lui, on donne son cœur, sa vie, on ressent cette joie, et comme j'aime beaucoup le dire quand j'encourage les frères et sœurs, les gens autour de moi, tout le monde devient, il est beau, il est gentil, c'est le monde des bisounours, tout est parfait, tout est coloré, tout est merveilleux. Et au fur et à mesure, le Seigneur veut nous enseigner sur sa sagesse, il veut nous enseigner sur l'amour, l'amour envers lui, l'amour envers son prochain, et là, effectivement, on commence à recevoir des piqûres, des attaques. On commence à expérimenter les déceptions. Et c'est un petit lot de déceptions. Et après, je me suis repentie devant Dieu parce que je me rappelle, je venais à l'église et mon cœur commençait à se refroidir, en fait. Mon cœur commençait à se refroidir. Et maman qui observe beaucoup, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je sens que tu as perdu ton zèle. Et j'ai dit, je me suis auto-analysée et j'ai dit, mais c'est vrai. Donc, effectivement, on peut venir à l'église et pourtant le cœur est tiède. Mmh. On fait les choses, on a l'habitude de venir louer, on a l'habitude de venir prier, mais il y a quand même quelque chose qui s'est quand même éteint. Et pour cela, le Seigneur nous dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Donc, souviens-toi d'où tu es tombé. Et on n'insiste pas assez. Souviens-toi d'où tu es tombé. C'est laisse le Seigneur te rappeler les circonstances ou la circonstance ou l'événement ou les événements qui t'ont fait reculer progressivement. Il faut que tu te souviennes. Moi, j'ai dit que c'est par la déception. Voilà. Donc, une fois que j'ai dit c'est la déception que j'ai laissé infecter mon cœur, j'ai redonné cette déception à Dieu et je lui ai demandé de me renouveler et le zèle est reparti. Amen. Le zèle est reparti. Alors, j'ai refait mon année. Jean-François, Jésus t'aime, Jean-François. Je prie Dieu que tu rentres dans ton ministère.
Tu dois être pasteur adjoint du Bishop Eli. Alors, ah oui, parce que non, j'ai béni Dieu parce que c'est une bénédiction pour moi, Jean-François. Il a été une bénédiction beaucoup pour moi. Et tous les Antilles, je suis fier d'être les Antilles. Amen. Tous les Antilles, Martinique, Guadeloupe, tout le monde, et les gens aiment l'émission, c'est incroyable. Il faudra qu'on les fasse presque tous les jours, cette émission-là. Et à mon Ils sont retour, touchés. à mes retours, je vais faire des prières en direct depuis chez moi. Ah oui, là, ça va chauffer. Je vais recevoir des appels téléphoniques. Là, moi, j'aime bien le show, les shows, les shows. Là, ça va chauffer. Alors, la dame qui voulait monter, est-ce qu'elle est là? La dame qui voulait monter. Alors, on va transformer, je vais transformer ici aussi en studio, vous voyez? Quand je vais être ici aussi, je ferai le direct à partir de la Guadeloupe. Bon, ce serait bien sûr à 14h. Où est-ce que la dame qui voulait monter? Elle a enlevé sa demande. Sa demande est partie et on ne le voit plus. On ne la voit plus, la dame. Elle voulait monter. Est-ce qu'elle est partie? Parce que des fois, quand on fait une demande, il faut qu'elle refasse sa demande parce que je ne peux pas chercher son nom encore là. Mais je sais qu'elle voulait monter. Attends, je vais le chercher un peu. Ah, voilà, elle a refait sa demande. Non, ce n'est pas elle, ça. Brava Vittel, je la connais. J'évite de prendre des gens que je ne connais pas. Hein, comme Oui, ça, ça ne peut pas donner distraction. Brava Vittel, excuse-moi, comme je ne te connais pas vraiment, il y avait une jeune sœur là qui voulait monter à tout prix. Bon, elle n'est plus là. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur Merci pour ta Jésus. fidélité. Merci. Vous voyez, quand nous étudions maintenant le Fils prodigue, la première chose, j'aimerais vous dire, le Fils prodigue a pris sa décision. Je voulais préparer un enseignement que j'appelais les sept mystères de la parabole du fils prodigue, ou sept mystères, donc ça dit, ou sept clés, des choses qui se cachent. La première clé, la première erreur du fils prodigue, hein, ou chrétien prodigue, il a pris sa décision, donc lui-même a décidé de partir. Ce n'est pas le père qui avait décidé. Hein. Et combien de fois nous avons des gens qui décident d'eux-mêmes de commencer leur ministère. Il y a des gens que Dieu a appelés, mais le moment n'est pas encore arrivé, mais la personne lui-même décide, je commence mon ministère. Nous voyons le cas de notre frère, le cas de notre frère, le cas de Moïse. Moïse, depuis le ventre de sa mère, était appelé à être libérateur. Mais Moïse, quand il a eu la révélation qu'il était appelé à être un libérateur, Moïse a décidé de commencer son ministère de lui-même. Moïse a décidé. Il a dit, maintenant je commence mon ministère. C'est moi qui vais libérer les enfants d'Israël. Vous voyez? Et c'est ça qui a créé des problèmes. Il est allé tuer un Égyptien. Plusieurs fois, nous décidons. On décide de se marier. Est-ce que Dieu t'a parlé? Non. On décide de commencer une entreprise. Est-ce que Dieu t'a parlé, t'a confirmé? Non. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. Mais deux fois, nous sommes prétentieux. Et ce qui est le plus fréquent, j'ai remarqué que nous, les chrétiens évangéliques, nous sommes parfois très prétentieux. Il y a certains chrétiens qui connaissent, il a à peine un an dans l'évangile ou 3 ans, il connaît Dieu plus que moi. Il attend la voix de Dieu plus que son pasteur. Ah, Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit, ah, Dieu m'a dit. Eh! Au bout de 3 ans, 4 ans. Donc, la première erreur, il a pris sa décision. Il a estimé qu'il était prêt. Mais est-ce que Dieu avait dit qu'il était prêt? Non. Il se croyait prêt.
Deuxième mystère, Dieu, la volonté permissive de Dieu. Le Père a permis qu'il prenne son argent. Le Père a permis. Ça ne veut pas dire que le Père était d'accord, hein, mais il a permis. On appelle ça la volonté permissive de Dieu. Il y a des choses que Dieu permet dans nos vies. Il n'est pas d'accord, mais il permet. Tu veux commencer ton église. Il le permet. Mais ce n'est pas que lui qui... Ça veut pas dire qu'il est d'accord. Hein. Tu veux te marier avec qui tu veux. Si tu décides aujourd'hui de te marier avec qui tu veux, il va le permettre. Il va même bénir le mariage. Hein, mais il n'est pas d'accord. Oui, Israël voulait un roi. Et Dieu a accepté. Hein. Dieu leur a trouvé la personne qui correspondait à peu près. Saul. Saül. La personne qui correspondait à peu près. Mais Saül n'était pas brisé. Saül n'était pas prêt. Mais Dieu a pris le meilleur de ce qui était disponible et l'a pris seul, Saül. Et vous savez, vous allez voir dans l'histoire comment s'est comporté Saül et comment Saül a entraîné Israël dans des problèmes. Il y a eu des morts. Parce que c'était la volonté permissive. Il y en a qui sont mariés dans la volonté permissive. Parce que tu as déjà choisi ta femme, parce que tu as déjà choisi ton homme, Dieu dit OK, mais ce n'est pas la volonté parfaite. Le deuxième mystère clé. Donc Dieu, le Père, a donné au Fils prodigue ce qu'il voulait. Et troisième clé, le Fils prodigue est parti loin, loin, loin de son père. Oui. Le mystère de l'adoration. Dieu nous appelle à être adorateurs. Tous les chrétiens qui ne sont pas des adorateurs, tous les pasteurs qui ne sont pas des adorateurs, et tous les ministres qui ne sont pas des adorateurs, tôt ou tard, ils iront loin, 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 loin de la présence de Dieu. Le diable finira par t'avoir. Tous ceux qui chassent les démons là, qui font des miracles, qui font des conventions, qui parlent la langue. Mais si vous n'êtes pas un adorateur, parce que l'adorateur, c'est quelqu'un qui est extrêmement amoureux de Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est amoureux de Dieu. Je suis là, papa, parce que je t'aime. Je suis là, Jésus, parce que je t'aime. Et non pour avoir l'argent, et non pour avoir le succès, et non pour avoir la gloire. Papa, je suis là parce que je t'adore et je t'aime. C'est toi que je veux, Jésus. C'est toi que je veux. Je ne cherche pas le confort. Même s'il faut vivre dans les déserts comme Jean-Baptiste, même s'il faut manger les sauterelles, je suis d'accord, mais je veux ta présence. Dieu cherche les adorateurs. Oui. Et quatrième clé, le Fils a gaspillé tout ce qu'il avait. Nous avons des chrétiens qui gaspillent tout ce qu'ils ont, qui gaspillent les bénédictions, qui gaspillent leur mariage, qui gaspillent leur ministère. Nous avons des gens qui gaspillent. L'immaturité fait que vous allez gaspiller les choses. L'immaturité. Voilà pourquoi des fois le Seigneur ne veut pas nous bénir, parce qu'on demande des choses dont on ne sait pas gérer. Vous demandez à Dieu la voiture et vous n'avez pas le permis. Mais Dieu dit, prends d'abord le permis. Mais si tu insistes, il va te donner la voiture, mais sans le permis. Dieu a dit à Balaam, ne va pas. Balaam a insisté. Dieu a dit, vas-y. Alors, n'insistez pas. Dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, pas la mienne. Seigneur, je veux que tu fasses ta volonté. Parce qu'une voix, elle peut paraître bon à un homme, à la fin, c'est la voix de la mort. Et vous voyez, comme il était immature, il a gaspillé tout ce qu'il avait. Voyez, je vous dis, comme on dit, le temps est l'allié du juste. Tôt ou tard, la réalité va vous rejoindre. Tu n'es pas prêt, tu te crois prêt. Tôt ou tard, tu seras devant le mur.
On voit le maçon au pied du mur, vous voyez. Les gens qui prétendent être déjà arrivés, être déjà prêts. Mais laissez Dieu vous déclarer prêt. Amen. Vous n'êtes pas prêt parce que vous pensez que vous êtes prêt. Laissez Dieu vous dire que vous êtes prêt. Et vous voyez, après il s'est retrouvé en train de manger les carobes. Vous voyez, il a cherché. Après, le monsieur, le fils prodigue, il a gaspillé ses sous. Il cherchait du travail et c'est quelqu'un du pays qui lui a donné du travail. Il voulait même manger les caroubes des cochons, mais personne ne lui a donné. Dans cette histoire, nous voyons l'importance d'avoir des bons amis. Cela, c'est un conseil pour des chrétiens ou pour des musulmans ou pour des païens, pour tout être humain. Faites-vous des bons amis. Ne gaspillez pas votre temps avec des faux amis, mes amis. Ne gaspillez pas votre temps avec de faux amis. Il y a beaucoup de faux amis. Ce garçon-là, il avait de l'argent. La Bible dit que celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur. Est-ce que tu as quelqu'un que tu appelles ami? Si aujourd'hui les médecins te disent, tu passeras pas cette nuit, tu peux lui dire, écoutez mon ami, je te laisse le compte, mon compte en banque, ma signature, va donner ça à ma femme. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça sur terre? On te dit qu'aujourd'hui, messieurs, vous avez fait un accident, il y a des chances que vous ne vous réveillez pas demain matin. Et donnez-nous votre dernière volonté. Est-ce que tu as un ami que tu connais, à qui tu peux dire, écoutez, mon ami, écoute, avant que je parte, j'ai fait un chèque de 100 000 euros, tout mon argent, donne ça à mon fils. Et tu es sûr que le gars, après ta mort, il va aller donner ça à ton fils. Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Amen. Un vrai ami est un trésor, hein? Quelqu'un à qui tu peux dire, écoutez, mon ami, je pars, je laisse deux enfants, j'aimerais que tu le prennes comme tes enfants, que tu veilles sur eux, je te fais confiance. Est-ce que tu as seulement une seule personne comme ça? Abraham, à l'âge avancé, il était devenu aveugle, il ne voyait pas bien. Il a dit à son fidèle serviteur, fais-moi serment, va chercher une femme pour mon fils. Fais-moi serment, va chercher. Abraham avait un serviteur fidèle à qui il pouvait compter. Mais nous, on a tellement des amis de fête, des faux amis, des profiteurs qu'on appelle des amis. Ce n'est pas tout le monde qui doit être ton ami. Ce n'est pas tout le monde qui doit entrer chez toi. Ce n'est pas tout le monde qui doit connaître tes affaires. Même dans la famille, il y a des gens que tu appelles frères dans la famille, mais il n'est pas avec toi. Tu dis, écoutez, je vous laisse mes biens. Mais surtout en Afrique, tu laisses les biens à ton fils, mais tu as une histoire vraie. Quand tu viendras, on ira à l'île Maurice. Je te montrerai la maison. Je dis à l'île Maurice, c'est Géna. Tu te rappelles? Géna. Ok, ça va se bloquer. Ça n'a pas qu'à jouer. Pourquoi ça ne bouge pas? Il dit que ton truc est bloqué. Oh. Alors, j'étais allé à l'île Maurice. Suivez-moi un peu. Et il y a un monsieur qui avait construit une grande maison qui vaut des millions. Il faut voir la maison. Elle domine la ville de l'île Maurice. Et le monsieur avait une seule fille unique, comme Maman Chazelita cite. Fille unique. Et vous voyez, et le monsieur est mort. Alors la maison revenait à sa fille unique. Mais sauf que le monsieur, il avait son petit frère qui était le tonton de la fille. Un seul petit frère. Donc si la fille n'était pas là, c'est ce tonton-là qui allait hériter la maison. Mais comme la fille était là, la fille avait à peine 20 ans, 18 ans, jeune fille, elle est devenue propriétaire d'une maison qui valait des millions. Vous savez, son propre oncle, le petit frère de son père, a tué sa nièce.
Il a tué la fille. Il a tué la fille. Il est venu à la maison, il a toqué à la porte. Ah, tonton, comment ça va? Il rentre. Le tonton a mis des somnifères dans la nourriture de la fille. La fille s'est endormie. Il a coupé la fille en petits morceaux. Il a coupé les bras, il a coupé les jambes, il a coupé les nez, il a coupé les nénettes, il a coupé les bras. Il a coupé en petits morceaux. Il a mis la fille dans le congélateur. Il l'a enfermée. Dans ce monde ici, faites attention. Les gens pour l'argent sont prêts à tout. Les gens pour l'argent. Ah. Je t'ai fait une assurance vie. Hein. Si. Je crève, tu auras 2 millions. Elle rigole. J'ai fait une assurance vie. Si je meurs, elle aura 2 millions. Et tu dis à ta femme, c'est fini pour toi. Tu vas plus dormir bien. Mon Dieu. Oui. Jésus. Oui. Ah, ouais. La fille est morte. Les gens considèrent que la fille a disparu. On ne la voit plus. Les voisins ne voient plus la fille. Mais elle est partie où on se pose. On voit qu'il y a que l'oncle qui rentre là, qui vit là. Mais la fille, on ne la voit plus. On a appelé la police. Oui. La police est venue. Histoire réelle. La police a forcé la porte. Ils sont rentrés. Ils ont ouvert le congélateur. On a vu la fille en petits morceaux là-dedans. L'oncle a été mis en prison, la maison est restée comme ça. Et c'est la maman de Jenna qui m'a dit, regarde cette maison-là, tu vois la belle villa-là qui est grande, ça domine la ville. Mm. C'est le monument en mémoire d'une fille tuée par son propre oncle. Oui, le fils prodigue, il avait l'argent, mais aucun de ses amis. C'est la même les femmes là, il avait gaspé son argent avec les femmes de rue. Mais aucune femme de rue là n'était là pour lui donner même la nourriture de cochon. Est-ce que tu peux t'imaginer ça? Même la nourriture de cochon, aucune personne. Vous les hommes là qui gaspillez votre argent avec les filles de rue là. Hein, parce qu'il a une bonne postérieure, et maintenant, il a des... Un jour, vous allez les payer. Il faut investir ton argent dans ta femme. Oui. Le jour où vous serez un cadavre, c'est elle qui va nettoyer. Ou le jour où elle sera un cadavre, c'est moi qui vais le nettoyer. Qu'il mettrait ces fausses lunettes-là. Ces lunettes. Pas ces fausses, ces lunettes. Oui. C'est ça, le couple. Nous, les hommes, on a tendance à gaspiller l'argent avec des femmes dans la rue, les femmes qui s'en foutent de toi, qui sont là pour profiter de ton argent. Faites-vous de vrais amis. Le fils prodigue n'avait pas de vrais amis. Hein. Il s'est retrouvé à zéro. Même les caroubes de cochons, personne ne pouvait lui donner ça. Et là, il a commencé à réfléchir. Il a dit, ah, la vie, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça la vie, hein. Ah, c'est comme ça les amis, hein. Ah, c'est comme ça. Des fois, on devient intelligent après avoir tout perdu. Des fois, on devient intelligent quand on a déjà tout perdu. C'est trop tard. Ah, ah, On s'arrête là et le prochain, on verra ça la suite dimanche prochain. Je vais en parler des fils prodigues. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que ma vie te glorifie, te glorifie. Que ma vie te glorifie, Seigneur. Te que mes pensées te glorifient. Alléluia. Te glorifient. Que mes pensées te glorifient, Seigneur. Alléluia, que l'Église
te glorifie, te glorifie, que l'Église te glorifie, Seigneur. Alléluia, que ma vie te glorifie, alléluia, te glorifie, alléluia, que ma vie. Seigneur, nous renonçons à la gloire, nous renonçons à toutes ces choses sans toi. Nous voulons chercher premièrement ta présence. Seigneur, la plus grande richesse que puisse posséder un homme, c'est la crainte de ton nom. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes qui craignent ton nom, des hommes et des femmes qui respirent la sainteté. Fais-nous cette grâce. Ne permets pas que les choses du monde puissent nous attirer. Remplis-nous de ta présence. Remplis-nous de ta sainteté. Alléluia. Tu peux parler? Oui, Seigneur, nous venons répandre notre cœur devant toi. Nous venons répandre notre âme devant toi, Seigneur. Que pouvons-nous te donner si ce n'est notre cœur, puisque c'est là, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu travailles, que tu apportes la transformation, que tu apportes ta révélation, que tu apportes, Seigneur Dieu, ta pensée, alléluia. C'est dans notre cœur que tu apportes aussi la restauration, Seigneur mon Dieu, alléluia, la libération dont nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, alléluia. C'est là que tu laisses ta pensée, Seigneur, qui apporte aussi tant de transformation dans notre mentalité, notre caractère, dans nos vies, Seigneur. Tu œuvres, alléluia, au travers de notre cœur. Alors prends, Seigneur, notre cœur, prends notre âme, prends notre esprit, prends tout en nous, Seigneur, alléluia. Élève-toi dans nos vies. Élève-toi, Seigneur, que toutes les œuvres de la chair, Seigneur, nous quittent, alléluia. Seigneur, mon Dieu, que tout ce qui nous éloigne de toi, Seigneur, que nous en soyons délivrés, Seigneur, au nom de Jésus. Nous croyons que nous nous adressons à toi, le Dieu capable. Nous nous adressons à toi, Seigneur, parce que tu sais prendre soin de tes enfants, alléluia. Tu es le bon berger qui veille sur chacune de ses brebis, Seigneur, et qui ne désire qu'aucune ne soit dispersée, Seigneur, mon Dieu. Alors, Père, visite nos cœurs. Pour ceux qui sont éloignés de toi, nous prions dans ton amour, ton pardon, que tu les relèves, que tu les ramènes à toi. Que tu, oh oui, Seigneur, que tu opères un renouveau dans l'esprit en eux, Seigneur. Que tu renouvelles le zèle du premier amour. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tu connais tous ceux qui se sont refroidis, Seigneur, qui reviennent à toi, Seigneur. Nous chassons, Seigneur mon Dieu, l'autocondamnation, nous la renversons, toute pensée, Seigneur, de culpabilité, d'autocondamnation soit brisée, renversée, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, alléluia, nous prions, Seigneur, que ta paix, ta sagesse, inonde les cœurs, Seigneur. Inonde le cœur de tes enfants, Papa. Tu es Dieu et tu se prends soin de nous. Mieux que nous ne pouvons te le demander. Mieux que nous ne pourrions, Seigneur, mon Dieu, y aspirer, Seigneur. Tu sais faire au-delà. Et à toi soit la gloire au siècle des siècles. Comment utiliser ton cerveau pour mémoriser et comprendre des informations complexes en temps? Par honneur, puissance et victoire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Amen, alléluia. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire
mon cœur à toi, Seigneur, attire mon cœur à toi. Donne-moi un cœur qui sait aimer. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Donne-moi un cœur qui sait s'humilier. Seigneur, fais de moi un homme humble. Je veux seulement te ressembler, Jésus. Mon but suprême, c'est de te ressembler, Seigneur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Seigneur, attire mon cœur à toi. Tout est vanité ici-bas. La gloire, le succès, l'argent, le plaisir. Sans toi, c'est vanité. L'argent ne porte pas le bonheur. Oh, Ramachindere Baba, j'ai décidé de chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. C'est toi que j'aime, Jésus. Seigneur, je veux que chaque jour, je sois amoureux de toi. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes amoureux de toi. Seigneur, attire nos cœurs à toi. Ne laisse pas le monde attirer nos cœurs. Ne laisse pas la vanité attirer nos cœurs. La parole dit, personne ne vient à toi, ce n'est pas le Père qui l'attire. Voilà pourquoi ce matin nous disons, Seigneur, attire-nous. Attire-nous, Jésus. Que chaque jour nous puissions t'aimer. Chaque jour. Le vrai progrès, ce n'est pas avoir une grande église. Le vrai progrès, ce n'est pas d'avoir une plus grande puissance. Il y en a qui croient avoir progressé parce qu'ils ont une plus grande onction. Le vrai progrès, c'est d'aimer le Seigneur de plus en plus. Le vrai progrès et l'amour que nous avons pour lui soit de plus en plus grand. Tu peux grandir dans la taille de ton église. Tu peux grandir dans la connaissance. Tu peux grandir dans ta foi. Mais le plus grand, c'est la charité, c'est l'amour. Seigneur, moi, je veux le vrai progrès. Que mon cœur puisse t'aimer chaque jour plus. Donne-moi un cœur qui sait pardonner. Donne-moi un cœur qui sait aimer. Seigneur, remplis mon cœur de ton amour. Eranda kondoro baraba yi baramana shikara basa kandara baba
Eranda bana yendiri baba yutu koru baba rakaba shikara ba sakra yana kama yanda. Enda baba. Aleluya. Aleluya. Voilà, on va vous laisser. Je vais aller faire un peu du sport. Je suis devenu un grand sportif. Les sœurs, vous laissez, faites du sport. Bientôt les JO. Bientôt les JO. Faites du sport. Oui, oui, faites du sport. Ne vous laissez pas aller. Qui ménage, sa moture va plus loin. C'est ça. Et il y a trop de chrétiens qui négligent leur santé. Faites du sport. Mm-hmm. Soyez pas trop gros. Vous n'arrivez même pas à respirer. Moi, il me fait un moment où quand je mettais mes chaussettes, j'étais essoufflé. Même les chaussettes. C'est là que j'ai compris qu'il y avait un problème. Vous voyez? Et maintenant, je fais du sport tous les matins. Là, je vais faire le vélo. Je vais faire le vélo au moins 30 minutes, une heure. Et le soir, je fais encore. Parce que je vais être performant pour le Seigneur. Amen. Et puis, je suis marié avec une femme jeune, hein. Tu crées des problèmes. Alléluia. Parce que les hommes aiment dire toujours à la femme, hein, il faut maigrir, hein, tu as grossi, j'aime comme ça. Mais aussi, il faut aussi plaire à la femme aussi. Hein. Hein, mon frère, toi, tu as un ventre comme une moustique qui vient de piquer un homme. Abdomen de moustique, comme a dit la dame. Mais on est toujours en train de faire des remarques sur le physique des femmes. Et nous aussi, on doit s'améliorer, non? Amen. Merci Seigneur. Alors, qu'est-ce que tu vas conseiller aux hommes, toi? Dis-moi un conseil aux hommes. Les hommes qui ont l'abdomen de moustique, là. Il y en a qui sont abdomen de moustique. Il y en a qui sont là, oui. Abdomen de moustique. Je me rappelle qu'il y avait une dame qui avait dit que normalement qu'on ne devrait pas avoir un abdomen. Une comme ça, quoi. Docteur, une avienne, je crois. Non, mais c'est au-dehors d'elle. Une docteure en pharmacie. Ouais. S'il y avait un abdomen prononcé, c'est parce qu'il y avait un problème digestif. Et le sport aide aussi à traiter ça. Le sport, pour revoir son alimentation. Mais la sœur Monique, quand elle rend des gaz, c'est une confirmation, tu vois, elle dit vérité. Donc là, elle a rendu un gaz là. La sœur Monique, un jour, priait et elle a dit, le Seigneur a confirmé parce que j'ai rendu des gaz. Maman Monique, on t'aime beaucoup. Fais plus de maman Monique. Shalom, sœur Monique. Fais bisous. Gros bisous. Amen. Ah bon, je vais aussi faire bisous à ma belle-mère. Elle est là. Alors là, elle scrute le direct là. Maman Joselita. Hein, elle n'est pas rentrée. Elle est sortie. Mais pour la rediffusion. Alors, pasteur Francette, je ne sais pas si elle est là, pasteur Francette. Ah, la sœur Esther Deloumeau, on ne t'a pas vu hier au culte. Attends, montre-moi la vidéo que tu avais filmée hier. Tu l'as envoyée à elle? Oui, je l'ai envoyée les deux. À Pasteur Pierrot? Et à la soeur Esther. Tu ne l'as pas envoyée à moi. Hein. Je vais faire le montage. Après, tu m'envoies. Je vais faire le montage avec. Je vais montrer un peu l'anniversaire de Pasteur Pierrot, 80 ans. 80 ans de sagesse. Voilà un homme fidèle à Dieu. Un homme qui a un bon cœur. Je bénis Dieu. Pasteur Pierrot, je suis fier de toi. Je suis fier de toi. Les voilà. Bon, il a mis les. Micro. Aïe, 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 aïe.
Oh, c'est coupé. Parce que ma batterie. Batterie faible. Il avait peur de ne pas bien réussir. Parce que j'avais dit, s'il n'arrive pas à tout faire, on va le lapider. Vous savez, TikTok, quand tu passes une vidéo comme ça, il te signale. Ils ont tellement de, comment on appelle ça, de consignes. Fatigant, trop de consignes, quoi, TikTok, trop de consignes, même. Je ne sais même pas qu'est-ce que je peux faire ou je ne peux pas faire. Alors, passez une bonne journée et à bientôt. Je vous aime, on vous aime tous. Comment allez, soyez bénis et à bientôt. À bientôt. Allez, soyez bénis. Il y avait deux qui étaient en palais du juillet. Deux? Juillet? Ou du jeu. Je ne fous pas sur le coin mystique. Tu as bien fait, il y en a qui, il y a des fois, c'est eux qui répondaient. C'est eux qui répondaient. Et dis-toi, c'est un peu de respect.